Oui, alors nous allons résoudre de nouveau des équations, mais un peu plus compliquées que celles que nous avons traitées jusqu'à maintenant. Alors, en particulier au numéro 36, je vais traiter avec vous uniquement l'équation OA qui est ici. Et ici, quand on a ce type d'écriture, il faut se ramener aux équations qu'on sait faire, hein, c'est-à-dire la première chose qu'on aura à faire quand on aura l'écriture de cette équation ici. On va être obligé, pour transformer l'égalité, d'abord on va être obligé de développer ici et réduire. Parce qu'on aura 2 fois x, 2x. Alors je vous rappelle, j'ai oublié de vous le dire les autres fois, on n'écrit pas égal devant, hein. Il y a le premier membre qui sera égal au second membre. Donc 2 fois x, 2x, plus 2 fois moins 5, moins 10. Qui sera donc égal à 3 fois moins x à moins 3x plus 3 fois 5 plus 15. Arrivé là, nous avons appris à résoudre ce type d'équation. Et donc, on va soit annuler le moins 3x dans le second membre, soit annuler le moins 10 dans le premier. Donc, je vais réécrire cette égalité-là. Et je vais par exemple choisir d'annuler le moins 3x dans le second membre en ajoutant donc 3x. On ajoute donc 3x aux deux membres. Et on va arriver à 2x plus 3x égalera donc 5x. 5x au moins 10 égale donc à moins 3x plus 3x annule égale à 15. Alors j'ai prévu déjà d'annuler ici le moins 10. C'est pour ça que j'ai laissé de la place. Ça nous évite d'avoir à réécrire l'expression. Donc 5x moins 10, on ajoutera donc 10 au premier membre pour annuler moins 10, et on ajoute 10 au second. Pour obtenir donc dans le premier membre 5x, qui sera donc égal à 15 plus 10 à 25. Et on sait que quand on a cette égalité, 5x égale à 25, on va pouvoir donc diviser par 5. Et en divisant par 5, 5x divisé par 5, on va retrouver donc x. 25 divisé par 5, x égale à 5. Et on n'oublie pas de conclure, 5 est solution de l'équation. N'oublierez pas cette conclusion, résoudre une équation, c'est trouver là où les solutions qui rendent vraies les valeurs de x, donc qui rendent vraies l'égalité. Voilà, vous aurez à finir cet exercice. Merci.